Chers amis, bonjour. Très très heureux de vous retrouver pour euh, cette émission qui va traiter aujourd'hui d'un sujet qui est au fond fondamental. Il nous a tous concernés, il nous concerne tous. Et il continuera encore à concerner nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. De quoi s'agit-il Eh bien tout simplement de la notion du kiboud Av Vaem, ce que l'on traduit de manière très imparfaite par le respect des parents. Alors, bien sûr, cette idée-là, c'est une idée fondatrice dans toute société, dans tout système. La relation entre les parents, les enfants est capital. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'est-ce que la tradition juive, au fond, nous dit par rapport à ce qu'est la base même de toute cellule familiale structurée. Kiboud tout d'abord, à quel moment en parle-t-on dans la Torah, dans la Bible Parce que vous savez très bien que la base même de la vision qu'a le judaïsme, des grands principes fondamentaux, se retrouvent à l'intérieur du texte. Et ce qui va être important, c'est de regarder ce que le texte dit. Alors, arrêtons-nous d'abord sur un passage qui est allez, très connu de tout le monde, de toutes et tous. C'est évident. Il s'agit, vous l'avez deviné, de quoi Des dix commandements. Ou alors en version originale en hébreu des asseret adibrot. Au passage intéressant parce que c'est une parenthèse. J'adore les parenthèses. Euh, souvent les gens disent euh, les dix commandements, mais asseret adibrot, dix bras en hébreu, c'est une parole. Donc on va traduire de manière plus exacte asseret adibrot, les dix paroles, les dix paroles qui en effet vont former ces fameux dix commandements. Eh bien dans ces dix paroles, ces dix commandements, la Torah nous parle de l'obligation que l'on a de croire dans un Dieu unique, le respect du Shabbat, l'interdiction du vol, l'interdiction du meurtre, l'interdiction de la convoitise. Et puis à un moment, la Torah va nous dire Kabed et Avicha veut et Imecha. Honore, et on va voir dans un instant ce que veut dire le mot honore Et Avicha et ton père veut et Imecha. Et ta mère. Alors bien sûr, tout de suite, je vois les féministes qui se lèvent et qui disent qu'est-ce à dire dans ce commandement fondamental Pourquoi a-t-on mis d'abord le père avant la mère Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le contraire Vous m'auriez dit que si on avait fait le contraire, eh bien, on aurait dit la même chose. Alors, euh, le texte l'avait prévu. Et en effet, un peu plus tard, dans un autre texte de la Torah, on va nous dire ish l'individu imou imau veut Pardonnez-moi, ish l'individu imo c'est-à-dire sa mère veut aviver son père tiraou vous craindrez. Donc on va voir qu'une fois, on met le père en premier lieu et une fois, on va mettre la mère. Comme ça, à ce niveau-là, tout est en équilibre. Mais, première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y avait un terme beaucoup plus simple. Lequel Horim. Les parents. Au fond, ce mot existe. Pourquoi le texte de la Torah ne nous dit pas Kabdou ou Kabed et Horecha Au nord, parents super comme ça pète jaloux ni le père avant la mère ni la mère avant le père même pas obligé de faire dans une seconde partie d'un autre verset un peu plus tard d'inverser les choses. de là premier élément fondamental la notion de parents nous ne la retrouvons pas dans le texte de la bible curieux. En effet on va parler de l'homme, de la femme, de la femme, de l'homme, de la mère du père, du père et de la mère, mais jamais de parents. Et ce, pour une raison très simple. C'est que lorsque l'on parle de parents, eh bien, on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose qui peut s'interchanger. C'est-à-dire, nous sommes parents, donc l'homme ou la femme, c'est la même chose. Or, vous le savez fort bien, l'homme et la femme, ce n'est pas la même chose. Et encore heureux. Au passage, le fondement même d'une histoire, c'est l'altérité. Et pour être dans l'altérité, il faut rencontrer quelqu'un de différent de soi. On ne va pas aimer soi-même. Mais il y a ici une idée beaucoup plus forte. Avant de rentrer dans cette notion du respect, la Torah nous apprend qu'il y a en effet d'abord, au niveau de nous les adultes, un rôle à assumer. Je suis père, je suis mère. On n'interchange pas traduction, chacun a une fonction particulière. Vous savez que... Aujourd'hui, nous sommes dans une génération dans laquelle on parle beaucoup de parité, d'égalité. Pour la Torah, la problématique n'existe pas. Il est évident que le respect, la manière d'être que l'on doit avoir vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, ça doit être la même chose. Mais il y a des fonctions différentes. Le problème, c'est lorsque l'on pense qu'une fonction crée une forme de hiérarchie. C'est-à-dire que comme je suis l'homme qui va faire telle et telle chose, alors j'ai une place plus importante. C'est ce que la société a créé, mais ce n'est pas ce que le texte de la Torah nous dit. La Torah nous dit, tu es le père, tu es la mère, chacun a une fonction particulière, chacun a une responsabilité particulière, et chacun doit savoir que sans l'autre, il va manquer quelque chose. Nous reviendrons un jour, dans un autre cours, sur justement le problème de la fameuse place de la femme ou la place de l'homme d'ailleurs à l'intérieur de la société juive et la société d'ailleurs plus en général. donc revenons sur cette notion de kavod c'est-à-dire la notion du respect des pas. alors bien sûr euh, aujourd'hui on a un problème avec ça. on est bien d'accord. la hiérarchie n'est plus vraiment présent dans nos sociétés. Je prends comme exemple moi-même. Vous savez, euh, quand je passe à la douane, même si j'ai rien à me reprocher, je suis toujours un peu stressé. La vue de l'uniforme. Euh, Sait-on jamais Pourtant, tout va bien. Il y a quelque chose qui a disparu aujourd'hui. Prenez quelqu'un de beaucoup plus jeune. L'uniforme ne lui fait pas peur. Lorsque nous étions enfants, il ne serait jamais venu à l'idée de quiconque de contester une note que l'on avait pu recevoir d'un professeur, c'est-à-dire de quelqu'un qui était dans la hiérarchie au-dessus de nous. Or, aujourd'hui, on négocie, on n'est pas d'accord. Plus que cela, il y avait une forme de respect évident vis-à-vis -vis des parents, même si d'ailleurs ceci n'était pas toujours à la hauteur. Aujourd'hui, je fais ce que je veux, je parle comme je le veux, et ce, quelle que soit la personne en face de moi. Donc nous avons un enjeu. Encore plus particulier dans notre société, dans laquelle les notions de hiérarchie sont en train de disparaître et nous le voyons au quotidien. Alors, est-ce que le respect des parents, c'est devenu quelque chose de désuet Est-ce que c'est quelque chose qui appartient au fond à l'ancien temps et on va devenir copain-copine c'est-à-dire que je vais devenir au fond le copain de mon père ou le copain de ma mère ou la copine de mon père et de ma mère. Donc on est plus ou moins au même niveau, si ce n'est qu'eux, eux, ben, ils ont le chéquier, ils ont la carte bleue, c'est eux qui payent l'abonnement téléphonique ou internet. Ou alors il y a dans ce commandement de la Torah, qui rappelons-le, et dans les fameux dix paroles, les fameuses pardonnez-moi dix paroles, dans ce commandement de la Torah, il y a quelque chose de beaucoup plus important que juste l'organisation d'un système. Et c'est là où, en effet, nous allons commencer, si vous le voulez bien, à réfléchir ensemble. Est-ce que le respect des parents est une nécessité pour l'organisation du système C'est-à-dire il faut que les enfants obéissent, sinon ça n'ira pas Ou alors il y a dans l'univers respe du respect des parents quelque chose qui va bien au-delà d'une nécessité technique eh bien, arrêtons-nous, si vous le voulez bien, en premier lieu, sur le terme que depuis tout à l'heure je traduis respect, kavod. Kavod, c'est les honneurs, le respect. Mais rentrons un tout petit peu plus à l'intérieur du terme. Et vous savez que la génialité de la langue hébraïque nous amène, en analysant un mot, à découvrir un certain nombre de concepts que véhicule ce mot. Alors, Petite parenthèse à nouveau, vous voyez, j'aime beaucoup les parenthèses. Eh bien, l'hébreu est une langue consonantique. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ce, ce mot-là Alors, on va faire très simple consonantique, c'est-à-dire lorsque vous regardez un texte de la Torah, vous voyez une succession de consonnes, mais il n'y a pas de voyelles. Et c'est la tradition orale, depuis le Sinaï, qui nous dit comment lire les mots. Dans un autre cours, d'ailleurs, on en reparlera. Donc, le mot kabed, ce sont trois lettres. Trois lettres, la lettre kaf, bet et dalet. Et kaved veut dire, ça vient de la racine kavod qui veut dire honoré, mais kaved, ça veut dire aussi quelque chose de lourd, de pesant, au sens non péjoratif du terme d'ailleurs. Kabed est avira. Quel rapport existe-t-il entre la notion d'honorer? La notion du respect et la notion de quelque chose de lourd. Alors, certains esprits malins diront oui, parce que c'est un peu lourd de respecter les parents. Non, 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 pas du tout. Surtout que la Torah nous dit par exemple aussi qu'il faut respecter son conjoint. Alors, de quoi s'agit-il Kabed honore, Kaved lourd, traduction donne du poids. Au sens bien sûr figuré, donne du poids à tes parents. Donnez du poids à quelqu'un. Donnez du poids à quelqu'un, c'est-à-dire montrer la place qu'il occupe et l'importance qu'il a à l'intérieur de ma vie, à l'intérieur de mon quotidien. Lorsque vous donnez du poids à l'autre, d'abord vous le faites exister, mais surtout vous révélez l'importance qui est la sienne. Et nous avons donc ici la clé de départ, parce que rassurez-vous, le respect des parents, c'est une longue histoire. Nous ne faisons ici que rentrer dans l'introduction de ce sujet. La notion du respect, c'est donner du poids. Alors arrêtons-nous. Comment est-ce qu'on fait pour donner du poids à quelqu'un ben, De manière très simple. Tout d'abord, en étant à l'écoute de ses paroles. Tout d'abord, en faisant en telle sorte que lorsqu'on est dans un échange, notre attitude par rapport à cette personne montre qu'elle a de l'importance. Imaginez que je sois en face de vous et que je me mette comme ça, et qu'au fond vous me parlez, et je vous regarde de cette manière. Vous allez dire, mais il me calcule pas. Alors que peut-être je vous entends très bien, mais néanmoins, vous avez l'impression que de par ma manière d'être, eh bien, vous n'avez pas d'importance et vous risquez d'avoir peut-être raison. Et donc, la Torah va me dire la chose suivante "Kabed et Avicha, ve'etimecha, donne du poids à tes parents." Traduction révèle leur la place et l'importance qu'ils ont dans ta vie à travers une manière d'être, et c'est ça au fond qui va être le point de départ. Pourquoi Parce qu'en faisant cela, tu prends toi aussi la mesure de l'importance qu'ils ont dans ta propre existence et c'est à la base d'une relation d'harmonie. Vous me direz, c'est fort bien. Donner du poids à l'autre, lui montrer de l'importance. Et si les parents ne se comportent pas bien Et si mes parents ne me calculent pas Et si mes parents ne sont pas très sympathiques Comment vais-je faire Oui, en effet, quelqu'un de respectable peut être respecté. Mais si mes parents ne le sont pas Si mes parents... Ont des attitudes véritablement négatives à mon égard. Je ne parle pas d'attitudes destructrices, ou là, c'est encore un autre problème. Comment puis-je arriver à leur donner du poids C'est extrêmement difficile. On ne va pas me demander d'être dans quelque chose de complètement faux. Qu'est-ce qu'on attend de moi Que se passe-t-il Qu'est-ce qu'il se joue là Eh bien, nous allons voir, mais cela à travers un autre cours, comment va-t-on faire pour arriver à accomplir cette mitzvah, c'est-à-dire ce commandement, cet ordre que la Torah nous demande de respecter nos parents, et ce, même si parfois nos parents ne sont pas totalement, entre guillemets, respectables, même si parfois les attitudes qu'ils ont pu avoir vis-à-vis -vis de nous, ou qu'ils ont encore vis-à-vis -vis de nous, sont des attitudes qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous bouleverser. Comment réussit-on sans être dans une forme d'hypocrisie à accomplir ce commandement de la Torah. Il y a ici un véritable enjeu. C'est celui-là que nous allons essayer de découvrir à travers une autre émission. En attendant, à très bientôt et passez une excellente journée, après-midi ou soir. Ça dépend où vous êtes dans votre fuseau horaire et surtout à quelle heure vous êtes en train de regarder cette émission. Au revoir.